Et bonjour, internautatrices et internautateurs, ici Gaiden pour les Jeux du Cygne. On retrouve pour ce deuxième épisode de notre nouvelle série sur Stranded Alien Down avec le DLC sur les gardiens. Donc le scénario gardien qui n'est pas spécialement nouveau en soi, mais voilà. Donc on va chercher à protéger Hope. Qui sinon va se retrouver dans le mal. J'ai besoin de rechercher de façon express. Je confonds toujours entre activité et planning. Il faut que Katina. Ouais, il faut que Katina me mette en priorité pour l'instant la recherche. On peut laisser Hope en observation. Mais il faut que Katina, elle recherche la fabrication d'armes, parce que là pour l'instant on est à Walpé, ce qui va faire que quand on va se faire attaquer, ce qui ne serait peut-être pas trop tardé, on est jour 3 relativement vite en général, et ben il faut quand même qu'on puisse se protéger. Sachant que j'ai quand même pas des valeurs de recherche de fou. En stress? Pourquoi t'es en stress, cocotte? Qu'est-ce qui te stresse? Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas pu me divertir. Ah, je suis bien désolé. Hop. Et voilà. Ça, c'est les gros vilains qui vont apparaître et qui vont laisser boum, un groupe de deux. Donc ils vont pas attaquer tout de suite, mais il faut quand même pas trop que je traîne. J'espère même que c'est pas déjà trop tard. Il va falloir que Ken vienne faire tout de suite. Dès qu'il pourra, une lance ou... Passe dans le coin, là. Passe dans le coin, mon coco. Burnout. Ok, donc démobiliser, fabriquer des armes. J'ai pas assez de ferraille. Durée 6 heures, durée 10 heures. Il faut au moins que Ken ait une arme après que lance. Aucune recherche en attente. Hop. Donc après avoir récupéré ça, j'ai besoin de produire des vêtements sans doute. Le tissu de Liam. Ouais, je vais faire en sorte de pouvoir produire des vêtements. Heureusement le Ken, je vais demander de prévoquer la lance. Hein. Avec ça, qu'est-ce qu'il fait? Il bouffe. Non. Il peut pas parce que... Oui, il faut d'abord qu'il rapporte. 63 métal, c'est pas mal, effectivement. Alors, ceci dit, j'ai récupéré des nouvelles provisions. Donc, je vais pouvoir faire d'autres recettes rapides. Soupe de viande... Hop. Une en stock. Ça, je le mets en pause. Je préfère amplement que tu me fasses de la soupe de viande et de la soupe de légumes, d'en avoir un de chaque en permanence. Et... Les vilains, ils sont là et ils attaquent. Merde.
ça va être chaud, chaud, chaud. Je vais devoir les combattre à la main. Ça va être. Je sais pas du tout comment je vais faire. Alors là, c'est vrai que pour le coup, j'avais toujours eu des. J'avais jamais fait en très difficile. Et c'est vrai que le fait de pas du tout avoir d'armes dès le départ, ça complique quand même. Ressources insuffisantes. Qu'est-ce qui me manque? J'ai 91 de bois et j'ai 63 de. Qu'est-ce qui se manque? Il faut du bois et de la ferraille. Il faut 3 en fabrication. Ah non, c'est pas d'échec. Alors là, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Alors, si je te mobilise et que je te démobilise, est-ce que... Alors déjà, on va regrouper tout le monde ici. Hein. Pourquoi est-ce qu'il veut pas, putain, j'ai 63 de ferraille, j'ai 23 de bois. Ah mais si, on attend de matériaux. Impossible pour l'instant. Ah d'accord. Bon, ça va être tant d'accent. Ouais, j'aurais jamais fini ma... Bon bah... Ouais, c'était peut-être un... une grossière erreur de ma part. Juste pour... On va te planquer. L'avantage c'est qu'effectivement c'est pas très solide, non ça va le faire. En fait, même à coup de poing. Tu peux saigner, c'est pas très grave. Bon, ok. Bon mais j'ai rien dit, en fait c'était facile. Emine, tu vas juste attendre les soins dans le couchage. Et Katsina. Tu vas soigner et mon sera allongé. Soigne. J'avais pas d'armes, mais j'avais du mini. Ok, bon, bah. Les points, c'est bien en fait. Et l'avantage c'est que je vais pouvoir sans doute récupérer leurs armes qui seront certainement bien meilleures que la lance que je peux fabriquer ici. Bien. Dégradation imminente. Pourquoi tu manges? L'avantage c'est que les soins c'est quand même vraiment rapide. Bon, on va leur laisser faire tout ça. Soupe à la viande. Alors, j'ai fini la production de vêtements. Tiens, je peux faire ma cuisinière.
plutôt que de faire la cuisson sur un feu de camp, pique laser, voilà. Très bien. Donc on a dit production de poste de tailleur. Hop. J'ai récupéré une cellule énergétique et 15, très bien. Nouvelle ressource, tac, tac. Aucune recherche en attente. Bon, on va rechercher tout de suite l'électricité. Les paratonneaux. L'électricité. Donc du coup, Ken, tu vas t'équiper. Une. D'accord. Tu l'as pas ramassé encore. Ken, tu vas donc t'équiper de pique laser. Soupe de légumes, c'est fait. Si je vais lui faire fabriquer également. Ah, il peut me faire des arbalètes parce qu'avec les alliages de mes. D'accord. Nécessite deux de fabrication, donc je ne peux pas. Et arc court, qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut savoir récupérer des fibres de cuir. Alors, pour ça, je vais te demander. De récolter du rhizoderme. Toi, tu me construis ça, très bien. J'ai toujours trouvé que c'était pas évident de comprendre ce que chacun était en train de faire. Où est-ce que c'est? Nouvelle arme, lance. Alors, ce sera. Laquelle des deux est la moins mauvaise? Est-ce qu'elles ont toutes les deux zéros? Elles... Ah non, c'est Emine qui est la moins mauvaise. Emine, tu vas pouvoir m'équiper. Donc, du coup, poisson chaud, tu vas pouvoir me faire. Tac. 5T et. Tac. Hop, c'est pas la viande. Ça viendra à la fin. Et encore plus à la fin. Des rations d'urgence que pour l'instant je mets en pause. Si jamais je suis vraiment en galère, j'utiliserai ce qui me reste. Katina n'a pas d'armes, je sais. Bien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Deuxième, oui. Attends, je suis en train de me dire, il faut surtout pas que je fasse fouiller l'activité. C'est quoi? C'est recyclé. Fouille démantelée, oui. Il faut pas que je fasse faire la roupe. Il faut vraiment que, en fait, ça c'est vraiment la priorité. C'est le seul, il n'y a que Ken qui peut le faire.
Le thé. Comme vêtement, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose. Un chapeau de paille. Excuse-moi, ils n'ont pas tous un chapeau. Réseau électrique. Alors, les conseils, je les connais déjà. Ce qui est bien, c'est qu'avec les cellules énergétiques, je vais pouvoir faire un générateur. Ça, c'est plutôt cool. Puisque j'ai ces cellules électriques. Alors, ceci dit, j'en ai pas besoin impérativement pour l'instant. J'ai recherché le paratonnerre si jamais je me chope de ça. La réfrigération, c'est indispensable. Enfin oui, non, j'ai lu qu'en fait il valait mieux. En fait, il faut faire la réfrigération et puis derrière ça, la congélation. Ah non, il faut trouver ou produire des composants électroniques. Ce que je n'ai pas. Et pour l'instant, j'ai pas un besoin impérieux. Par contre, je vais aller chercher les bases de la construction. Histoire de commencer à vivre dans autre chose que les taudis. Les réserves énergétiques, où est-ce qu'elles sont? Ou silica énergel, j'en ai plus qu'un. Je sais pas du tout ce qui se passe quand j'en ai plus. Pas du tout. Je vais peut-être commencer à extraire quelques rochers. Ah, il faut que j'observe. Tiens, je pourrais continuer d'observer ceci. Les insectes volants, il est où le fumier? Il est là. Hop, observe le fumier. Ça aussi, je peux l'observer. Là, je vais commencer à faire l'observation un peu tous les minutes. Le milieu que je peux. Arbre à pissenlit. Palmier, ceci, le morceau de rocher, rocher. Ça ferait trop. Ah tiens, ça il faut. Hop, attends, deux d'intellect. J'ai hope. Découvert du draca. Motif sur le dos de cet animal à grosse tête plate sont très semblables à ceux des dracs, les insectes endémiques de ma planète. J'ai donc eu envie de le nommer draca. À ma grande surprise, il semble s'agir d'un herbivore pacifique, ses yeux surélevés permettent de guetter les prédateurs et autres dangers pendant qu'il se nourrit. En dernier recours, il peut défendre avec ses longues pattes avant puissantes dont les extrémités griffues paraissent assez intimidantes. Je vais mettre un paratonnerre pour me protéger si jamais. Tiens, j'ai rien lancé en agriculture, ça c'est une bêtise. Palmier saucisse. Là j'ai un peu de. J'ai de l'argile. Moins bon. Je vais en faire 3.
3. En général, comme je sais jamais trop qu'est-ce que j'ai intérêt à faire, et un peu au pif, là je vais faire 9 par 9, c'est sans doute beaucoup trop. Arbre à pissenlit. Je vais faire du 6 par 6 là. Hop. Ensuite, non comestible, le rhizoderme. Ouais, c'est clair qu'en termes de croissance, c'est plutôt sympa quand même. Hein. C'est assez ouf. Hein. 15 par 3. Non, ça j'ai déjà vu. Herbes et buissons. Des herbes géantes. Hop. Le liam. Ça a l'air quand même assez sympa. Buisson de fougère, j'ai fait. Oui, c'est ce que j'ai fait là. Non, ça c'est le rhizoderme. Donc, buisson de fougère. Hop. On va aller. Ouais, je pourrais faire mes bâtiments par là. Hop, 6 par 6. Et des arbres tropicaux. Sincèrement, j'en ai tellement. J'ai pas envie de m'emmerder. Alors, un peu de caillasse, je vais pouvoir me faire un stand de tir. Hop. La colibellule, malgré son aspect vaguement menaçant, ce gros insecte volant semble pacifique et facile à effaroucher. J'ai décidé de l'appeler colibellule. À noter toutefois que dans les rares cas où il se met en colère, il attaque de loin et peut survoler les obstacles. Étonnant. Il pleut tout le temps. Voilà, donc les plantes se mettent au taf. Loisirs, on va faire mes statues. Les grandes statues de Draka. On va les mettre où? Comme statues. On va les mettre au par là. Hop. Grande statue de Nott. Les chapeaux de paille, c'est bien Ken. Tes deux de fabrication. Loisirs, torches, champignons. Un peu de lumière. Voilà. Ok. Alors, mobilier, je pourrais faire des lits maintenant. Il faut pour ça que je démolisse. Ah, tiens, je pourrais même mettre d'autres étagères. Hop. C'est quoi ces V pour copier? J'ai des chaises, qu'est-ce que je peux faire que je n'ai pas fait encore? Tout ça, je n'en ai pas besoin. Cuisinière électrique. Alors, ça c'est fait. Mobilier, lit.
Lit en pierre ou lit en bois? Je vais le faire avec du rhizoderme. Ah oui, parce que j'ai pas recherché encore comment faire. Oh, des midi kits, très bien. Je vais faire des lits en bois. Donc j'ai pas encore recherché comment faire. Faudrait que je le fasse. Très bien. Alors, le dalcium nous permet de faire du silicium. Cette plante rouge pointue possède en son centre une protubérance au motif insolite qui synthétise une substance plus insolite encore, le silicium. Je n'avais encore jamais entendu parler d'une telle plante. Elle est peut-être endémique de cette planète. Je l'ai baptisée dalcium. Dalcium. Alors, tac. Non, zut. Vais laisser deux. Mon comestible d'alcium. Ah, du coup, je pensais à une chose, et que je ne l'ai pas mise en confection. Dégradation. Oui, très bien. Alors, ici, en fait, du tissu, je peux en avoir. Oh, ça, je ne l'ai pas trouvé, je l'avais pas vu encore. J'adore dans ce jeu le fait de... Tu te balades, tu dis, oh! Tiens, ça je l'ai pas vu encore. Ça, sympa. Juste sympa en fait. Même si j'imagine qu'après quelques parties, le plaisir disparaît peu à peu, mais voyez ouais, les gros trucs là, est-ce que j'en ai dans le coin? J'ai une telle quantité de bouffe que je peux accumuler ici. Alors, base de la construction. Là, on commence à parler d'autre chose. Où est-ce qu'ils sont? Non, j'ai pas l'impression que j'en ai. Est-ce que ça, je peux le récolter? Pas encore. Tu vas aller m'observer celui-ci. Ça. Croissance 9 sur 10, 9 sur 10, 17 sur 20. Crochet intéressant. Ah, ça aussi. J'aime les trucs qui sont intéressants. Donc, aucune recherche en attente. Alors, je pourrais chercher le tissu de lilas. Raffinage des métaux pour me faire de l'alliage. Tissu de foin. Comme des drôles de trucs. Hein. Fonderie électrique, minerai. Ouais, c'est juste plus efficace, je crois. Et puis ça consomme de l'électricité. Alors, je peux faire de l'huile avec ça. On va aller rechercher l'huile. Ça me débloquera peut-être d'autres trucs. Je vais aller rechercher domestication des animaux. Pour l'instant, je vais faire le raffinage des métaux avec ça. Même si c'est... Non, c'est sans doute un peu de temps perdu.
Donc je peux faire un générateur électrique. Panneau solaire, il me faut des composants électroniques. Je fasse davantage de fouilles. C'est ce qu'il est en train de faire. Quand on aura fini. Végétex, voilà. Désolé. Je vais passer la lecture un peu vite. Le Végétex, il est là. Tac. Cette plante produit de magnifiques fleurs de grande taille qui connaissent une métamorphose remarquable. Elles forment de grandes boules blanches, fibreuses, très semblables au coton, qui me paraissent utilisables pour produire du textile végétal. Le Végétex me paraît donc être un nom approprié. Et donc, je vais faire pousser du Végétex également par ici. Le champ ne peut pas dépasser cette longueur. Ah bon. D'accord. Hop, on divise par 4. Et donc, je vais te demander de récolter le Végétex que tu veux. Et j'en avais aussi par là. Ça, c'est plié. J'avais aussi du Végétex ici. Alors, huile de palme, un pressoir. En bois, s'il te plaît. Techniquement, il vaudrait mieux que je le mette par là, puisque c'est là que j'ai mes stocks. Production, oui, c'est ça que je peux faire celui-là aussi. Lumière et chaleur, je m'en fous aussi. Alors, les bâtiments. Beaucoup de choses à dire sur les bâtiments. Je vais peut-être commencer par un dortoir qui leur permettra de trouver à l'abri. Quand la construction, talent nécessaire 2. D'être au moins à l'abri quand il pleut, mais du coup, comme il me faut deux de construction, bah, il faut que je construise avant ça. Alors, du coup, je vais lui demander de faire des murs. Des murs en petit bois. Ou en ferraille, ou en bois, construction 2 aussi. Donc on va commencer par se faire. Donc, je ne vais pas abriter toutes mes plantations. Là forcément il dit que je manque de matériaux. Mais c'est pas grave puisque je vais pouvoir en faire au fur et à mesure. Bon, on va déjà lui faire faire ça. L'objectif, c'est de payer un peu ma construction. Le petit bois, tu veux en faire un peu plus. Alors, domestication des animaux. En vrai, j'en ai pas besoin tout de suite. Aucune recherche en attente. En fait, j'ai pas vraiment de quoi gérer cela. Étagère hydroponique. Bof, amélioration d'urgence. Ouais, je vais aller rechercher les tissus. Armure végétale. Il faudrait du cuir végétal. Fabrication 4. Rechercher. C'est marrant parce que une partie sur l'autre, en fait, comme ça dépend un peu des stats
les survivants, on ne peut pas rechercher toujours les mêmes choses. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas... Tiens, là déjà, tac, tout ça, tu peux l'arrêter. Limite atteinte. Pourquoi est-ce qu'il mange en priorité les rations de survie? Je comprends pas. Aliments crus. Alors, nous avons l'infusion du thé. Il me reste quoi? Ouais, il me reste trois rations d'urgence. Je sais pas pourquoi c'est. Alors, j'ai découvert le tabacanthe. Les larges feuilles de cette plante sont remarquablement similaires à un type de tabac rare et coûteux qui a été banni sur ma planète d'origine il y a quelques années et dont le prix déjà élevé a explosé. Ne me demandez pas comment je le sais. Bref, sauf erreur de ma part, ces plants de tabacanthe contiennent plusieurs stimulants alcaloïdes qui peuvent être extraits par séchage des feuilles. On les broie, on fourre ça dans une pipe et il n'y a pas de mieux pour retrouver le sourire. Pas de gueule de bois ni d'autres effets secondaires à ma connaissance. Nouvelle recherche, infusion du thé. Ah, mais je peux déjà faire du thé. Bien, alors je vais me faire un grand séchoir parce que ce sera utile de toute façon. Tôt ou tard. L'entrée du grand séchoir. Pas vraiment d'entrée en fait. Je vais... Donc le tabacanthe, on va essayer d'en faire plus aussi. Hop. Un petit 8 par 4 là. Hop. Ah, Hope, acquis la sociabilité. Initialisation des matrices cognitives tertiaires terminée. Chargement de nouveaux modèles de comportement humain terminé. Bonjour, depuis le temps que j'analyse le comportement humain, je crois être prête à mettre mes acquis en pratique. Je suis impatiente de discuter de tout et de rien et d'échanger des informations verbales, voire d'explorer le concept de l'amour, s'il est accessible à une entité mécanique à moitié sentiente telle que moi. Tant mieux pour toi. Voilà, donc maintenant, elle va causer avec les autres. Voilà, elle a un paramètre de sentience qui augmente. De sentience. L'accès de Hope à la sentience progresse en fonction de son talent intellect à mesure que sa sentience augmente. Hope obtient de nouveaux talents et traits. Cependant, ses besoins deviennent aussi plus complexes, elle sera d'autant plus exigeante et nécessitera des sources de détente plus variées pour rester heureuse. Prudence, si elle se consacre plusieurs heures par jour à la recherche, elle risque d'accumuler de la frustration et s'expose à une crise qui pourrait se traduire par une perte d'expérience en intellect. Pour accompagner son évolution au mieux, il est primordial de trouver le juste équilibre entre son développement intellectuel et son bien-être émotionnel. Et voilà ce que je craignais. Les androïdes doivent être alimentés par des sources d'énergie spécifiques comme Slack Energel et les cristaux énergétiques pour refaire le plein d'énergie. Si vous n'avez pas ces ressources en quantité suffisante ou celles à votre disposition ne remplissent pas les restrictions fixées, sélectionnez un androïde sous-alimenté et accédez à l'onglet Restrictions. Pour obtenir d'autres sources d'énergie, récoltez des cristaux énergétiques ou du silicium. Bien fouiller les débris de vaisseau pour récupérer du carburant liquide. D'accord, donc il me faut des sources d'énergie. Donc carburant liquide, je ne l'ai pas. Pour l'avoir, il faut que je débloque l'huile et graisse et que j'ai trois en fabrication. En fait, c'est un vrai problème de ne pas avoir, ce qu'il faut en fabrication. Et ça, je n'en étais absolument pas conscient. Les grosses bouboules blanches là. Ça s'appelle, on a dit.
Ça s'appelle un Dalsium. J'aurais besoin d'en trouver d'autres. Parce que toi, là, oui, je peux te récolter. Donc, je vais avoir du silicium ici. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Énergie zéro. Les cristaux énergétiques, une prolongation prolongée pour entraîner des défaillances, voire la mort, carrément. Cristaux énergétiques, est-ce que je peux en trouver? Il y a plein de ces trucs-là. Est-ce que je peux trouver des cristaux énergétiques sur Mazamara? La graine sur laquelle j'ai fait mon... la colonie. Là, il y a plein de dalsium. Ah, là, il y a des courges. J'arrive en bord de carte. Je ne peux pas aller plus loin. Il y a un joli lac. Arbre à racines nues. Manifestement, ça donne du bois. Là, il y a du bois mort, tas de bois flotté. La carte est absolument immense. C'est presque un peu dommage parce que finalement, il n'y a absolument pas besoin d'avoir des cartes aussi grandes. Je crois que le nombre maximum de survivants qu'on puisse avoir, c'est 8. Mais de fait, elles sont immenses. Là, c'est encore les arbres à racines apparentes. Est-ce que je peux trouver des cristaux énergétiques? En fait, je sais pas trop ce que je cherche. Normalement, c'est bleu. Genre, pas comme ça. Là, c'est des bestioles bleues. Ce truc rouge, il y en a une... Enfin, violet pourpre. Il y a une telle quantité. Je ne vois pas. Et cela me chagrine. Je constate ceci dit que il n'y a pas non plus de nid d'insectes. Ils sont les bestiaux un peu vénères du scénario de base. Ah, ni carapace. Ah si, peut-être ça, justement. Ah oui, les mantes géantes, oui, ça c'est des belles saloperies. Ok, donc là c'est beware, ne pas s'approcher. Je sais pas si c'est ce fond bleu là, ça peut donner un moment ou un autre. Les cristaux d'énergie. Ah! Si, bah justement, ça pousse bien sur ces fonds bleus. Alors là, ah bah en plus c'est juste à côté de chez moi. Ça, c'est carrément urgentissime. Toi, tu vas tout de suite aller observer cristal vivant. Découverte du tardis. Nouvelle découverte. Cet insecte imposant est un herbivore lent et d'ordinaire pacifique, que j'ai nommé tardis. Même s'il n'est pas particulièrement dangereux, il sécrète une substance corrosive qui s'accumule sur sa peau et qu'il libère sous forme de nuages toxiques. En s'ébrouant sous le coup de la peur, mieux vaut garder ses distances pour interagir avec lui. Ok. Bien, je suis en train de me rendre compte que j'ai toujours pas fabriqué d'armes à distance.
Même il faudrait que je n'ai pas fait de bandage non plus. Peut-être que je me préoccupe de ces trucs un peu importants. Baume curatif, tu vas m'en faire 10. Hop. Baume curatif, coup de pissenlit. Hop, tantier. Cuir végétal, bah voilà. Il est là, mon cuir végétal. Limite atteinte, oui, mais en même temps, si je vais pas m'en faire d'autres. Ah, mais je l'avais fait en. Mais non, j'ai pas d'arme, donc il m'en faut une de plus en fait. Parce que Katina n'a pas d'arme toujours. Toi, t'es où? T'es ici, du coup, du bois. Voilà, va me fabriquer une lance. Il pleut une bouillie, c'est la fête à la grenouille. Ça, c'est vraiment fondamental que je puisse en faire. Du coup. C'est un peu con que ça se soit. Ça se perde. Je peux pas avancer. Bah attends, extraire une végétale. Hop, jusqu'à en avoir 50. 20. Bon, j'en ai 50. Allez. Pas sur 50. Donc j'ai désormais de l'huile végétale, je t'ai pas demandé de t'arrêter. Katina a 80 intellect, très bien. Alors, huile végétale, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que ça m'a développé, débloqué, pardon? Non. Peut-être de nouvelles recettes, mais j'en ai pas vraiment besoin. Ok, ma lance, c'est fait. Katina n'a pas d'arme, je sais. Oh, attends, 3 d'intellect. Allez, je veux que tu termines ça, je sais que t'es crevé. Des bandages, indispensables. T'as faim, voilà. Alors, les cristaux énergétiques, j'ai trouvé un étrange cristal qui semble capable d'emmagasiner de l'électricité qui pourrait nous donner un autre moyen de créer des producteurs électriques. Je vais l'appeler cristal énergétique. La culture s'annonce, hélas, difficile puisqu'elle taxe la terre alentour. Le sol finit par finit asséché et réduit en sable. Forcément, sinon ce sera trop facile. Ok. Ça c'est du tout ou rien, j'aime bien les trucs en tout ou rien. Alors agriculture, cristaux énergétiques. Donc ça veut dire que je serai de toute façon limité dans la quantité que je vais pouvoir en faire. Mais je vais quand même en faire allez, un petit 8 par 8. Hop. Et gisement de minerai. Très pratique aussi. Katina, avant d'aller me chercher une arme, tu vas t'équiper avec une lance. Est-ce que je peux pas fabriquer? Si, je peux maintenant fabriquer. Des arcs courts, tu vas m'en faire tu vas m'en faire 3. Alors ça maintenant je vais le mettre tout en bas. Cuir végétal. Tiens, j'ai pas fait d'autres lits. J'aurais dû copier.
nouvelle ressource silicium. Voilà, tu auras quoi te nourrir. Énergie zéro. En fabrication, très bonne chose. Bien, et bien avec ces découvertes énergétiques, je vais arrêter cet épisode là, en espérant qu'il vous aura également plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis bah, éventuellement me donner des conseils hein, parce que encore une fois si le jeu vous plaît, si vous avez déjà vu plein de let's play, n'est-ce pas Mazamara, et que vous avez des infos intéressantes à transmettre, je suis tout à fait preneur. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.